à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Vannes. Ça fait une semaine que je suis ici et j'ai vu juste ça. Mais bon, heureusement, grâce à certaines personnes, j'ai su qu'il y avait un rasso de vieilles voitures juste en bas, donc on y va y aller, c'est parti. C'est énorme. Il n'y a rien eu pendant une semaine et d'un coup, lors d'un rasso, California. Donc ça fait à peu près 5 jours que le rasso est terminé. Depuis le temps, j'ai vu d'autres voitures. J'ai vu cette Jaguar F-Type, rouge. La plaque assez marrante quand même, il a dû payer cher. Mais bon, il roulait aussi en F-Pass, mais je ne l'ai pas pris en photo parce que les F-Pass, on en voit un peu trop. Et j'ai aussi vu cette Ford Mustang. Coupé si je me souviens bien, jolie noire, donc je vous fais écouter le startup. Et en tout cas moi là je vais aller dans une ville où il y en a plein, je vous laisse voir ça, c'est parti. Et voilà, premier jour terminé aux alentours de Brest. Malheureusement, aucune voiture. Et sachez que je vais peut-être aussi à Paris et à Bruxelles. Donc ce sera l'occasion d'en voir plein. Une semaine et demie que j'ai rien vu, donc je commence à en avoir marre. Et là je vais faire un parking souterrain. J'arrive un Cayenne assez joli, un Maserati Levante S que j'ai à peine en photo, pas terrible, et une CLS 63 AMG juste là. Une semaine et demie sans rien voir pour sur un seul parking voir trois voitures, c'est juste énorme. Là, je continue la journée sans m'arrêter. La matinée spotting est finie pour moi. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Et j'ai loupé une Corvette C4 qui faisait des ruptures, donc c'est dommage, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai toujours voulu voir une 718 Cayman, donc c'est la toute dernière Cayman, bien évidemment. Donc j'avais déjà vu la 718 Boxster grise,
Une blanche Boxster S aussi, mais jamais de caïman. Donc c'est la première fois, donc ça c'est joli. J'aime bien le nouveau design, elle fait plus sportive et tout. Après il y a Cayman S et j'espère que Cayman GTS comme ça va exister. Parce que je crois que les GTS en 718, ça n'existe pas encore. Je suis pas sûre, je vais vérifier ça tout ça. Donc là il y a un truc de dingue, il y a une Audi RS7 qui s'est garée, donc ça fait un jour que je l'ai vue. J'en revenais pas du tout d'avoir vu une RS7, c'était la première de ma vie clairement. Je pensais jamais en voir une ici, ça faisait une semaine que j'avais rien vu à peu près. Mais là d'un coup on sait pas pourquoi, il y a une Audi RS7 au calme. Donc je suis allée respotter aujourd'hui, donc j'ai vu si je me souviens bien, combo 458 Italie avec Audi RS6 que je vous passe maintenant. Voilà, on ne voit pas très bien le combo. Et j'ai vu autre chose également. J'ai vu la Cayman et un Jeep SRT8 échappement modifié. Je vous laisse voir ça.